Motte pour une toute nouvelle exposition. La culture étant malheureusement un peu en panne, beaucoup en panne et très malmenée ces derniers temps par rapport à la crise sanitaire, nous avons eu avec Jocelyne l'idée de faire donc une expo virtuelle et qu'elle puisse donc offrir au public via les nouvelles technologies ces dernières œuvres. Je m'appelle Jocelyne Motte, je suis peintre, ça fait 30 ans que je peins et à peu près 20 ans que je suis installée en Comminges. Là, pour moi la 3e ou 4e fois, l'office de tourisme m'invite à exposer ici. Juste en rentrant dans cette pièce, Jocelyne, puisqu'on se connaît bien et maintenant depuis quelques années, je te connaissais sous l'angle très abstrait. Malgré tout, on est toujours ramené plus ou moins au paysage. Et là, je m'aperçois avec tes nouvelles toiles qu'on est vraiment dans le paysage. Ben oui, c'est devenu figuratif. Ben, d'où le titre, hein, c'est, j'ai appelé cette expo un roman justement parce que je gère entre le figuratif, l'abstrait, tout ça. Et là, j'ai décidé de ne pas choisir, mais de faire ce qui se présentait. Et donc, il y a un côté figuratif perdu et un côté abstrait avec une couleur qui est récurrente aussi. Jocelyne, est-ce que tu peux, sur cette toile tout particulièrement, nous expliquer un petit peu ta technique, etc. Nous dire comment tu en es arrivée, toujours avec cette couleur récurrente rouge. Oui. L'idée de départ, là, c'est de faire du grand format. J'ai fait du grand format, mais pas aussi grand. En plus, ça, c'est sur une toile libre. Et donc, qui dit grand format, dit technique tout à fait nouvelle, parce qu'il faut sortir les petits tubes, tout ça, ça ne fait plus. Donc, il faut trouver des moyens de peindre grand, sans mettre vraiment de tonnes de peinture. Et donc, sur cette toile, il y a beaucoup de jus, il y a de l'encre de Chine, de pigments, des médiums. Je n'étais pas dans la veine de faire de l'abstrait ou du figuratif. J'ai fait, puis finalement, bon, c'est un petit peu toujours pareil, c'est un petit peu abstrait, un petit peu figuratif. Et pourquoi le rouge particulièrement? Je crois que ça correspond à mon tempérament. Je suis d'origine espagnole, d'origine pyrénéenne aussi. J'ai beaucoup de dynamisme, de force. Le rouge surgit et pour moi c'est vraiment jouissif de travailler dans le rouge, dans toutes ces nuances d'orange, de jaune, c'est la lumière. C'est le départ d'une série tout à fait nouvelle que j'ai fait en début d'année. C'est un paysage de coulée douce, le pas de l'Ascalic. Et vraiment, ce qui m'a inspiré, c'est les magnifiques couleurs d'automne à la montagne. Je voulais être dans la démarche de la peinture abstraite, donc dans le lâcher-prise avec des choix de couleurs. Là, il y a beaucoup de rouge. Ce sont des toiles que j'ai faites en résidence d'artiste en septembre 2020 et qui était destinée à fournir une exposition que de toiles abstraites.